Hello, bonjour, c'est toujours Cathy pour un nouveau petit tutoriel sur Internet Explorer que je vais lancer à partir de ma barre de tâches tout en bas. Je clique dessus et je voudrais vous montrer aujourd'hui un petit peu comment mettre une page de démarrage sur Internet Explorer. Ici, comme vous pouvez le voir, la page de démarrage démarre sur msn.com, mais ce n'est peut-être pas forcément ce que vous voulez vous. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment mettre une page de démarrage. Vous pouvez donc utiliser pour se faire la petite maison ici que vous avez accueil en cliquant dessus. Lorsque je clique dessus, on voit bien que ma page de démarrage accueil est bien sur MSN. Vous pouvez aussi afficher en faisant un clic droit ici et afficher barre de commande, clic gauche ici et vous avez la petite maison ici. Pas de problème. Lorsque vous voulez mettre une page de démarrage au départ de Internet, lorsque vous le lancez, il faut donc aller chercher le site que vous souhaitez mettre en page de démarrage. Je vais donc par exemple mettre google.fr car je souhaiterais mettre Google en page de démarrage, pourquoi pas. Donc je vais aller chercher la page web Google ici et vous la voyez devant vous. Et je demande ici avec cette petite maison là, je vais cliquer sur la petite flèche ici et je vais dire ajouter ou modifier une page de démarrage et je fais un clic gauche. Je modifie ainsi ma page de démarrage qui était sur MSN et je souhaite donc utiliser cette page Google puisque c'est Google que je suis allé chercher comme seule page de démarrage. Je vais donc cliquer sur le petit rond qui est ici avec le bouton gauche de ma souris et je vais dire oui. Jusque-là, tout va bien. Lorsque je quitte Internet Explorer et que je relance Internet Explorer à partir d'ici ou à partir de démarrer, normalement, je suis censé démarrer sur Google. Et vous le voyez. C'est bien pratique lorsqu'on utilise souvent un site et que l'on ne veut pas aller le chercher dans la barre d'adresse ou ailleurs. Je vous remonte l'exemple. Par exemple, vous souhaitez démarrer sur votre boîte mail, par exemple. Moi, c'est Yahoo. Donc, je vais lancer yahoo.fr. Je vais chercher la page web de Yahoo France. C'est important d'avoir la page web devant soi. La voilà. Et ainsi, je souhaite mettre en page de démarrage. Vous pouvez aussi utiliser, hein, non pas ce menu-là, ajouter ou modifier une page de démarrage, vous pouvez tout à fait utiliser cette petite maison-là en faisant un clic droit avec le bouton droit de la souris et faire ajouter ou modifier une page de démarrage, clic gauche ici. Je souhaite donc avoir comme page web, comme page de démarrage, ma page Yahoo France. Je clique donc sur utiliser cette page web comme seule page de démarrage et je dis oui, clic gauche. Ainsi, lorsque je quitte Internet et que je relance Internet Explorer, je démarre directement sur Yahoo France. Voilà pour mettre une page de démarrage sur Internet Explorer. Vous pouvez bien évidemment changer la page de démarrage quand vous le souhaitez. Au revoir, à bientôt.